Hey, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la Crocantosaurus Rex, incroyablement fragile qui met Bon, bah 10 ans à se écoutez, bah on régène. reprend notre petite notre petit bout de chemin avec notre acrocanthosaure. Que dire? On va essayer de chasser un truc sans se faire démolir, quoi. On va essayer de faire ça, et puis bah écoutez, comme d'habitude, elles viennent que pour un, mais bon. Ça va être chaud. Bon, bah go essayer de bouffer un herbie, un Diablo. Ça va, un Diablo, je pense que c'est à notre taille, hein. Ouais, ça pique, mais c'est faisable Ouais. quand même, je pense. Après, faut se dire qu'il va y en avoir pour 4 heures de régène. Ouais, putain. Ouais, du coup, on a entendu Diablo gueuler dans la direction dans laquelle on va, du coup. Justement, le principe d'aller dans cette direction. Vous comprenez? Hein? Je suis tellement lourd. Bref. Donc, ouais, skip par là-bas, il y a des troupeaux qui traînent dans la grotte là où il y a la lave. Mais on va vous montrer ça de suite. Un crocantosaure en embuscade! Aïe aïe aïe, j'ai déjà dit ça, ça a mal fini quoi. Ça a très mal fini. Bon, on a entendu un autre truc, je sais pas trop ce que c'était. Kama, je sais pas. Je vois un truc. Il y a un truc qui est à côté de moi. Oh putain! Je crois que c'est Stégosaure! Non! Oh non. Et oui, ce bruit, c'était le bruit d'un stego. Mais Ouais, en fait, le bruit, je crois toujours que c'est le Puerta et c'est le Stego. Mais du coup, il y a un stego, mais on en a entendu un Diablo aussi. Hein, donc, ça doit être un troupeau, quoi. Oh, attends, je vais essayer de me planquer là. Je suis ressorti, j'ai rien vu à l'entrée là-bas et plus loin, il n'y avait personne dans la grotte. Mais en fait, toi, le problème, c'est que là, je crois que je peux pas descendre par là où je suis. D'avoir une sortie, mais je peux Ouais, aller par je crois là-bas. qu'elle est devant moi. Mais là-dedans, putain, ça va être chaud quoi. Pour faire demi-tour ou quoi, si tu attaques. Ouais. Après, là, ils savent pas qu'on est là normalement. Et tu l'as vu à l'intérieur, le stego? Ouais, il était à l'intérieur en train de boire. Ouais, il était à l'intérieur en train de boire. Ouais. Il doit Le y avoir un truc, c'est petit que moi. lac ou un truc comme ça, du coup, dedans. Moi, je connais pas du Ah tout cet oui. endroit. Et donc l'entrée, elle serait où du côté putain. Parce Là, que là, j'ai la grosse entrée. Je sais qu'il y en a une qui leur fonce directement dessus s'ils boivent au lac. Bah, là où je suis, il y en a une qui descend. J'ai l'impression. Ouais, ça leur va dessus. Il y en a deux même. T'en as une qui va vers la lave et l'autre qui leur fonce dessus normalement. Ouais. Alors, faut juste pas que je me fasse cramer en fait. Sinon, ça gâcherait tout. Oh putain, il y a un chante qui arrive vers moi, il m'a pas vu. Pour l'instant. Vite que je Attends, me mais je suis dans un cache. arbre, mais je suis voyante. Essaye de me foutre dans les arbres là, vite. Ah si, il m'a carrément vu en fait. J'étais persuadé qu'il m'avait pas vu. Ah, je le vois, je suis derrière lui, il me voit pas, mais je peux pas, je vais pas attaquer un champ, je suis pas folle. Ouais, non, non plus. Ouais. Bon, toi t'es grillé, par contre, moi ils m'ont pas vu Ouais. derrière. Le chant, je sais qu'il a envie de me casser la gueule. Ouais, bah si tu le sens pas, tu te lèves et tu fais un cri. Ah, je Lâchez me le casse Diablo. direct. De toute façon, Il le rentre le chante. Diablo. Il me tout Il choque suit le le chant. chante en fait. Putain. Vu Il que c'est était je connais arrivé, il y a pas. le Diablo, mais. Ah ouais. Ça m'a l'air d'être un putain de labyrinthe. Aïe aïe aïe. Mais non, mais non. Essayer, j'aimerais bien me foutre derrière une colline et essayer de les surprendre vu qu'il n'y a Je pas peux essayer d'arbre. de les refaire sortir. Mais ouais, mais faudrait que j'arrive à me planquer, parce que là je suis voyante. À la limite là, si j'arrive à descendre sans qu'ils me voient. Te casse pas les pattes. Ok, je crois qu'ils Là, reviennent ça vers. devrait être bon. Ils reviennent vers toi. J'ai peur de me péter les pattes et qu'ils m'achèvent, quoi.
Ouais, ils reviennent vers toi, ils repassent vers la sortie. Mais du coup, j'avais vu un Stego à 100%. Moi j'ai vu le Diablo, j'aimerais bien qu'il passe en premier. Là, il y a le champ de devant. Ah, j'ai peur, je vais me casser une patte en faisant la con comme ça. Eh, c'est trop chaud le troupeau en vrai. Il y a toujours un putain de champ. Je l'ai eu, je l'ai eu. Tu as eu quoi, le Diablo? Tu l'as one shot? Non, non, je l'ai pas one shot, mais il est en build. Il repart dans la grotte, putain. Ah non, je faut pas que je. Il est où, il est? Je le vois pas. Il est. Ah, il est reparti dans la grotte? Là, il y a le chant. Dans la direction où je vais, il est en bleed. Et du côté grotte. Ok. Ouais, où tu vas, ouais. Je vais essayer de faire voir au chant. Eh, moi, les gars, je connais rien à cet endroit. Il revient vers le Diablo à l'intérieur. Y'a un autre chant qui sort, non? Y'a un Stego là, je le vois. T'as le Diablo, il a pris cher, je l'ai mordu deux fois. Enfin, en passant. Y'a un Stego qui vient vers toi, mais. Ouais, il m'a vu, je crois. Je sais pas s'il est taille max le Stego ou. J'en sais rien, moi j'ai deux chants au cul, c'est pas terrible. Il s'est pris un screamer le Diablo le pauvre. Le truc c'est qu'ils sont bien protégés là où ils sont hein. Putain mais l'autre il est dans le bleed quoi, c'est dommage. Ah non il est ressorti, il est avec eux, ok. Il est à côté des deux chambres, c'est moi. Ils sont tous les trois là, ils sont tous entre nous en fait. Ouais, dans la petite impasse là, genre. Ouais. Petite ruelle là. Ouais. Ah, c'est vraiment trop chaud quoi. C'est ouais, trop près, chaud, là. Putain. Ils sont pro. Et là, il s'est mis complètement. Il essaye de se percher à moitié là. Donc. Avec le Stego, il a un Stego, un chant avec lui, le Diablo là. Ouais. Et le deuxième chant, il est plus vers toi. Ah ouais, mais on regarde droit dans les yeux. Ouais, je pense que ça va être mort, mais on aura foutu la pression. Vas-y! Ils sont perchés, là tu peux pas, on peut rien faire. Je sais pas si quand il sent, il peut frapper. Ce qu'il est en train de sentir là. Oh non, mais vite hein. Et encore une fois, ben voilà. Toujours le même délire quoi. Eh, les herbivores sont beaucoup trop forts quoi, c'est dingue. Je peux rien faire. Faut en prendre un isolé. Il fout des coups de tête, je fous des crocs dans le monde. Ouais, c'est intimidation mais bon, t'as aucune chance. C'est ça, on a aucune chance. Bon, de toute façon ils savent qu'ils nous éclatent. Hein. Ouais. On peut rien faire, c'est fou quoi. Mais bon. Donc il y a bien des herbies sur cette map là qui vont là. Enfin, sur ouais. Ce cerf en tout cas. Ça c'est plutôt cool. Par contre, chez toi, je sortirais de la grotte au bout d'un moment, ils reviennent. Ouais, je vois ça. Bah, le Diablo est de nouveau seul. Enfin, pas seul. Mais non, ils sont, ils arrivent derrière. Ils arrivent tous derrière, avec le lait. Merde, mais je suis dans un. Tiens, par là. Ok, j'étais dans un cul-de-sac, tu vois. Je connaissais pas. Aïe aïe aïe. Ah, tu vas arriver vers la lave, non? Ouais, là, je suis au-dessus, ouais. Là.
Bah là où je suis, il faut venir, c'est la sortie. Je pense qu'on aura plus de chance avec les allosaures. Ouais, y'a moyen, ouais. Bon, c'est dommage, tu vois, comme j'étais bien planqué, le Diablo, je l'ai surpris, j'étais juste derrière la butte là, tu vois, il est sorti comme ça. Ouais. Et je suis passé, mais. Bah, je l'ai recroqué moi là à l'intérieur, mais bon. Ouais. C'est juste gratuit quoi. Gratuitement. Ouais, gratuitement, ouais, juste avant de partir. Histoire qu'ils se souviennent de nous, petite cicatrice. Ah, mais si bien maintenant ils vont se méfier en sortant pour aller manger leur buisson. Ouais. Hey, Diablo, fais pas le malin, va. Ah bah tout seul, il serait mort. Ah oui, je pense, ouais. S'il s'est pris 3 crocs là-bas en tout, il aurait été tout seul. Bon, bah encore une fois, je crois que... On repart brocouille. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Mais là, avec n'importe quel autre dinosaure, c'était infaisable, quoi. On va essayer de choper autre chose, mais c'est compliqué, quand même, avec l'accro. Et en fait, il est pas très puissant, l'accro, quoi. C'est ça, le problème. Il est pas très puissant et pas très résistant. En fait, il est un peu nul, mais ça va, quoi. Tout va bien. Bon, bah, comme vous pouvez voir, on a été rejoint. Donc avec ça, on va peut-être pouvoir faire quelque chose, les gars, j'imagine. Là, franchement, il y a de la force de frappe, hein. Mais du coup, je pense qu'on va aller retrouver le troupeau et on va voir ce qui va se passer maintenant qu'on est 4. Les accros dépressifs. Ils veulent plus rien voir de ce monde réel. C'est tout. Aïe aïe aïe. Se prendre de la pierre dans la tête, c'est quand même assez cruel. Et par contre, les gars, discrétion s'il vous plaît. Ouais, j'avoue, c'est vrai. C'est lit. Elles sont partout. Déjà qu'on n'est pas bien discret quand tu vois ça arriver. J'ai 4 gros vers de terre là. On est à l'intérieur sous les arbres là, ouais. Bon. Bah là des fois il y a des buissons. Mais apparemment. Ah bah... Moi je mange à l'abri de la pluie. Hein. La queue le des accros quoi. C'est quelque chose comme ces dinos. Ah la queue le le. Tout le monde. Ça fait la mère et ses petits qui ont un peu grandi. Quoi, c'est ça. On va être 4 accros sur un petit taco. Café. Bon, c'est bon, moi j'ai mangé tout à l'heure. Moi j'ai un peu faim, moi je suis à 50%. Ah bah ouais, quand même. Merci mon fils. Avec plaisir. Ah ça c'est le mâle alpha qui chasse pour sa mère maintenant. Ah oui c'est vrai. Ça c'est propre hein. On verra le mâle alpha quand tu auras un chant en face de nous ce qu'il va donner. On va le voir le mâle alpha. Ouais. Pour rire mais tellement vite. En hurlant. Il y a une partie de mon enregistrement qui a bugué là, bon, pas grave. Ah, moi je trace hein, les mecs, hein. Je reste pas loin. Voilà, du coup, en gros, on repart chez les herbivores, encore une fois brocouille, on les a même pas retrouvés. Et là, en gros, on est tombé sur le clan des Apex. Il y a des T-Rex, enfin un minimum. Moi je descends vers partie pleine en faisant un tour par les arbres. Un giga, c'était quoi ce bordel là? C'était quoi ce bruit là de ouf? Je sais pas. Mais y'a des bruits, je veux pas aller les voir, tu vois. Par exemple, tu sais, je me dis, je sais pas, mais j'irai pas checker ce que c'est. Tu vois. Ouais, moi je suis curieux. Oh. Je suis obligé d'y aller. Je vois un Rex, je vois deux Rex, je vois. Okay. Ah. Deux Spino, yes. Je crois qu'on va rejoindre Lee, hein. Parce que... Ah, mais en vrai, attends, le délire c'est qu'il y a deux Rex, deux Spino et deux Giga. Sur quoi ce bordel? Y'a trop de gens. Non, nous faut qu'on chasse des allos, ça des machins. Okay. Les Rex viennent vers nous, les gars, faut se barrer là, pour de vrai. Oh shit! Ah non, c'est des gigas! Ah bah en gros, y'a les Rex qui chassent les gigas,
Et les spinos qui chassent les rex. Et les gigas nous chassent nous. Oui, bon, de toute façon, c'est une chaîne. Hein. Ah, t'es en bas de la chaîne. J'ai fait un vol plané, même pas de pas te casser. Ah, là, tu te casses la jambe, t'es foutu. Hein. Bon, voilà la situation assez ténue dans laquelle nous nous retrouvons. Ah bah, ah ouais, je trace ça. Parce que t'as pas vu à quel point on était proche des gigas. Ah fait. Ouais. Et moi je me suis cassé la jambe. Oh non. Attends. Bon bah elle attend. Ouais mais non, barrez-vous. Mais en vrai c'est terrible, je suis tombé d'un rocher qui faisait 15 cm pour de vrai quoi. Bon, on va pas se barrer, on est 4. Ça serait con de se séparer. On se barre ensemble. Bah ouais, soit on crève ensemble, soit rien. Y'a le puerto. Bah en vrai vous avez vu, je suis tombé d'un rocher qui faisait 4 cm quoi, quand même. Ouais, il doit être à partie pleine en bas. Non, là je suis pas d'accord hein. Le rocher faisait la taille de celui-là quoi. Non, là je suis pas d'accord hein. Oh que non. Ouais, il paraît gros mais regardez, en fait non, il fait la taille d'une herbe. Non, il faisait la taille de celui-là là. Mais ça c'est quoi? Ça j'arrive pas, bah j'ai l'impression que c'est le spino ça du coup. J'arrive pas à reconnaître le bruit, c'est bizarre. Ouais, c'est peut-être le cri gentil. Putain, ça a peur, très agréable, pas très sympathique. Ah, je sais bien, mais bon. Dizer, regarde où je suis. Ah, pardon. Non. Le juge va trop te faire rire, c'est pas moi si tu veux, mais non. C'est terrible quoi, merde. Venez là, il y a une grande plaine si vous voulez descendre, Crafton. Ah, mais là, je suis coincé dans un rocher. C'est bon. Non. Elle marche doucement. Yes voilà. C'est bon. Ah, c'est la panique à chaque fois quoi. On est arrivé à partie pleine, on a fui là-bas. Il y a un Kama là-bas. Peut-être essayer de se tenter le Kama, je sais pas si c'est faisable. Non. Ouais les gars, je vais tenter, on va voir si je me prends un coup de queue ce que ça donne. C'est quoi qui court à côté de nous, zombie? Oh, c'est une... Wouah, bon, ok. Non, hein. Ok. J'ai pris un coup de queue. Mais surtout que tu le sais. Ouais, mais je sais pas, je me dis à un moment ça peut passer quoi. Un croc. Ouais. Il m'a vu arriver à 10 km en fait. Je pensais pas qu'il m'avait vu. Mais du coup, je suis plus dans le même état. Oh putain. De toute façon, à chaque fois que tu sors des arbres, t'es toujours amoché. Non, c'est pas possible. Du coup, deux coups de queue, t'es mort. Bon, ben voilà, il fait nuit. Toujours pas régène. Ça va encore prendre 150 ans, mais j'ai... Bref, là on a entendu des allos, donc on les cherche, mais on sait pas où ils sont. Et là, peu importe ce qui se présente, je fonce dedans. Cet acrocantosaur a beaucoup trop duré. Non, 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 je vais remonter là. Ah, merci, t'as entendu. Merci les allosaures. Autre son, j'allais dire, on va remonter la rivière. Donc, Ah, mais il y en a beaucoup là. C'est faire du repas. Ouais. Y'a un autre truc à ma droite là. What the fuck. Ah, un trike. Wow. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, on va le bouffer hein. Le truc c'est que je suis tellement dans la merde. Et faites gaffe, il y a chacun un tour de rôle. Il me dit quand on l'attaque. Bah moi j'ai déjà mordu hein les gars. Je crois qu'il y a Drizer sur ses côtes là. Ok. On va dire à zombie ou à toi. Il pense qu'il a les arbres là. Pour nifler au pire si vous l'avez perdu. Bon on l'entend en fait. Je vois aucune trace de sang ni rien. Sérieux? Il était sur moi. Il était feu.
feu. Ah, tu l'as tué, ça y est. Ouais. Bon, bah, il avait pris cher. Je l'ai croisé juste derrière un arbre. Bon, bah, petit trike. Au passage, mais moi, on va quand même aller vers les hommes. Ouais, ouais, ouais. Ah, 4 contre un sub-trike, on y arrive, ça va. La gloire des acrocantosaurus m'approche discrètement d'une chose que j'ai vu bouger. C'est noir noir. Je le vois, il a 2 mètres de moi. C'est quoi? C'est un pachy. Ah oh. Oui. Bon, mais il est mort. Aïe 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 le pachy. Oh, il y a des galis. Je m'en ai pas entendu. J'ai entendu un galis au loin vers moi et Drez. Enfin, plus ça. Ah ouais, j'entends. Ah, il est. Ok. Il est direction qui va là. Il est tout petit le gars, le pachy quoi. Bah, il a du plan. Ah bah il est minuscule. Hein. Entre le nord et le... Bon bah go maintenant chasser le gali. Alors oui, il faut savoir sur le serveur il y a une règle qui dit qu'il faut pas chasser 5 minutes après avoir chassé une première fois. Mais là le temps qu'on le trouve ça va être 5, 10, 15 minutes voire plus. Donc c'est pour ça qu'on part déjà en chasse pour le gameplay. Vous avez entendu? Non. Et quoi? Il y a un truc qui a fait du bruit à côté de moi. C'est pas moi? Non, 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 vous êtes super loin. C'est moi, j'ai fait un pas pour arrêter de pour renifler. Non, pas ah, mais non, c'était un cri, c'était un cri. Ah non, bah non. Vraiment loin. Mais c'est full forêt là, je vois rien. C'est pas très discret tout ça, zombie man. Ouais, je vois rien, je. Non mais y'a rien, là on est devant toi dans vos lacs. On m'avait dit qu'il faut qu'on retourne vers le milieu, vers partie pleine et tout ça et tout ça. Ouais. J'ai entendu des pattes hein, à côté de moi là, je viens d'entendre. Putain mais y'a un Diablo. Je peux pas me le faire, je suis trop éclaté. Faut vous venir. Je le suis, attends, mais. On arrive. Ouais. Ouais, celui-là. Mais il aurait jamais dû bouger, quoi. Pourquoi as-tu bougé? Il est adulte. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Il est tellement petit en comparaison à moi. Mais oui, il a une forme d'adulte en tout cas. En même temps, avec sa stam, le Diablo, je l'ai perdu, quoi. J'ai perdu. Renifle, renifle. Bah j'ai rien. Je comprends pas vraiment. Il était à 2 mètres de moi, je suis passé. Alors là où il est passé. Il y a rien qui sent quoi. J'ai le Diablo sur moi. On arrive, on arrive, on arrive. Il fait demi-tour, il fait demi-tour Todd. Sur ta gauche. Il est là. Ah ouais. Il s'est cassé la jambe. Ah il m'a mis du bleed. Lâche-moi. Casse-toi. Ah je me suis pété la patte. Vous êtes sérieux? C'est la pire chasse du monde. Oui on est tous. Je sais pas où il est par contre. Il est sur nous en fait, on est en train de le croquer là. Ouais.
J'ai tous pété la patte. Il bide. Ah, il bide de ouf. Il est dans la merde. Je me suis pété la patte. Ah, laissez le bide. Hein. Ouais, pas faux. Ouais. Oh, il doit être dans la merde, la patte cassée. Ouais. Ah, bah il est couché, allez-y. Ah, il est mort. Ah, bah c'était le coup fatal. Eh, la chasse de bras cassés, quoi. Ah, mais j'arrive, il est tous à moitié mort. Bon, en fait, je lui courais après, et en fait, il m'a vu, il a sauté dans le vide, et moi je. Putain, mais je vais crever moi en fait. Eh, j'ai pas fait attention. Je suis dernier screed avec 16 de bleed. Ouais, bah bouge plus. Hein. En espérant que ça passe vite, sinon tu peux mourir. Bon. Bah c'est bon, on a un beau festin, on a tous à tabler, c'est bien, on se tient correctement. Ah, il y a un dilo. Oh, si c'est McMahon, dilo au jeu de rush. Pas de respect. Ouais, mais t'as une jambe en moins là. Déjà, voilà. Déjà, soigne-toi avant de rush qui que ce soit. Ouais, si tu veux. Tiens. Ah, bah il est juste là. Le traumatisme. Après, il y a trois autres qui se ramènent. Ouais, je suis coincé dans un arbre. Ouais. C'est peut-être. Ouais, c'est pour ça que je veux pas le tuer. Le traumatisme là, le pauvre. Je pensais à Thibaut. Thibaut! Il a pas. Il y a quelque chose qui crie là-bas. Ouais, peut-être. On doit paraître tellement grand pour lui, quoi. C'est... Ouais. Mais tu le chasses? Non, je lui fais peur. Ah non, hein. Moi, je te one shot, hein. Alors, un petit Rex. On fait une proc pour tuer les autres? Après, il faut se dire quand même que ce joueur a fait une proc pour pouvoir tuer les autres après. Hein. Oui, mais ça se trouve, c'est Thibaut. Ouais, y'a tout qui gueule là-bas. Putain, mais y'a peut-être un troupeau et tout là. Oh, je vais foncer dans le tas. Ah, mais pareil, moi j'avance au calme. What? Ouais, y'a le troupeau. Ouh, y'a des grosses carcasses ici. Y'a une dilo là. Y'a le troupeau, c'est le troupeau. Il y a Stego, il y a Terry, il y a Trike. Tu m'as fait peur, Lee. Oh mon dieu. Bah oui, mais j'enchante. Moi j'attaque le jour soleil. Ouais, on attaque le jour soleil, c'est le troupeau là. Sinon t'as pas de Stego, t'as pas. Il y a un dilo qui m'attaque. Un dilo. Croque-le. Je crois pas. Ouais, je vais crever, je pense. Bah oui. Mais pourquoi t'es loin aussi? Oh, bah je l'ai eu. Oh mon dieu. Bah je l'ai entendu, du coup je l'ai foncé dessus. Ouais, moi j'ai failli l'avoir à un moment donné, mais il est passé à 1 cm de la bouche. Bon là je crois que ça va de mal en pis pour mon dino. Il est de plus en plus mal. Chaque combat l'enterre, l'approche de plus en plus de la mort. Je crois que dans cette série j'ai eu 90% du temps l'écran tout rouge. Je pense qu'on va attendre l'aube. Et ensuite, pense que j'irai attraquer le troupeau avec mes collègues Akrokatosaurus et que ma vieille carne périra dans ce dernier combat parce que bah, il est temps d'en finir. Jamais je pourrai encaisser 4 heures de régène. La situation est tendue en cette matinée d'automne. Un Rex s'est mêlé à la fête, certainement à cause du petit qu'on a laissé en vie, regardez-le là. Et bon, évidemment, ma régène, hein, j'en parle même pas. Mais là, ben, je pense que le courroux des Akrokantosaurus va se retourner contre le Rex. Bon, moi, il me met un coup, évidemment, je suis mort. Mais je pense que. Ben, le troupeau, c'est trop chaud, quoi. Donc, on va tenter le Rex. Bon. En vrai, à 4 accros contre lui, il doit flipper un peu. Hein. Ouais. Attends. Bon, même s'il nous voit un peu éclater. Je vais foncer. Tu vas foncer où? Bah, Rex.
Mais Là, il est trop, ouais, mais on va choper les petits, c'est ça le problème. Et ouais, ouais, là. Là, il est trop, t'es trop loin. On est trop près plutôt. Bah, bien sûr, mais. On va faire des cris agressifs qui comprennent. Et un petit mort, ouais. Bah ouais, mais... Et il me charge moi. François, t'as le Maya qui fait des ponts, tranquille. Eh, je peux pas venir, je suis bloqué. C'est injuste, il me charge moi. Bah ouais. Je l'ai mordu encore. Il m'a pas eu, hein. Y'a un bébé. Mais qui se barre, les bébés? Putain. J'essaie de bouffer le bébé, mais il y a le chant qui le protège. Tellement pas normal. Je jure, c'est moi qui ai touché la patte. Aïe, il t'a pété la patte, ouais. Ouah, il m'a pété la patte. Ah, je suis morte. Non, bah moi aussi. Ah, mais toi, t'étais achevé, quoi. Ah, mon dieu, quel carnage. Voilà. Le troc. Ah, il va me buter. Ouais. Ah, mais vous êtes tous tués? Franchement, le troupeau, ils ont dû péter un câble. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 accros devant nous, ils vont tous se suicider sur un Rex. Ah ouais, mais bon. Aïe aïe aïe, mais quel terrible spectacle que voilà. Regardez mon accro en train d'agoniser en attendant de se faire bouffer par le Rex. Bref, bon bah écoutez, il nous aura bien tenu quand même cet accro, il aura été résistant mine de rien, parce que avec tous les coups qu'il a pris, il a tenu assez longtemps, et bizarrement il est pas mort à cause d'un herbivore, il est mort à cause d'un T-Rex. Bon après on l'a un peu cherché quand même. Bon bah écoutez, les guys et les girls, c'est la fin, on va s'arrêter ici avec l'acrocantosaurus Parex du coup. Bah je vous remercie d'avoir suivi toute cette petite série de vidéos sur ce beau dinosaure tout faible qui gigote. Et je vous donne rendez-vous dans la suivante. Tchuss !